c'est toi, ça. C'est pour ça que les Français ont décidé de faire de l'occupation du terrain, puisqu'on voit Caussade qui joue au pied souvent, bien d'ailleurs, même si là il a donné la balle dans les bras de Watts. Costa, en fond de touche, c'est Cyr qui avait pris la balle. Pénalité c'est pour la France. France, oui monsieur, bien arbitré monsieur Watts. Taylor a envoyé la balle en avant et c'est en position de jeu que Johnstone a joué la balle. Donc c'est une pénalité contre M. Johnstone que vous voyez là, ce corsaire, le bandeau noir. Et bonne occasion pour Jean-Michel Aguirre. Bronson. Bronson, oui. Un plus costaud quand même. Oh, mais Bronson est costaud, ouais. Oh, mais il est un peu poney, il est un peu petit à côté. Johnstone mesure 1m90 quand même. Jean-Michel Aguirre qui va tenter de réduire le score. Le coup de pied est difficile, hein, on vous le dit tout de suite. Très difficile. Mais c'est largement dans les possibilités de Jean-Michel Aguirre. Voyons ça, la balle est bien tapée, elle passera à gauche. Les on n'est pas béni. Et le score reste ce qu'il était, c'est-à-dire 7 points pour les Néo-Zélandais et 3 points pour la France. Il reste 5 minutes au chronomètre du stade, Roger. Oui, ouais, c'est ça, 5 minutes à jouer. À jouer avant la mi-temps, bien sûr. Gallion avait sauvé cette balle de la touche. On voit mal la touche, d'ailleurs, là. Nous nous sommes placés, on voit mal la ligne de touche. D'ailleurs, c'était même pas une touche, il y avait une mêlée avant. Et oui, avant. Ce qu'on voit bien, c'est que l'introduction sera pour Donaldson. À 30 mètres de sa propre ligne de but. Les All Blacks travaillent beaucoup moins les mêlées qu'ils ne les ont travaillées il y a 8 jours, car il faut aujourd'hui une résistance qu'ils n'avaient pas trouvée il y a 8 jours, donc ils n'insistent pas. 50-50. Watts, contré par Gallion. Gallion, essai. Par Gallion. Essai. Et marqué. Bravo Jérôme, qui a magnifiquement contré ce coup de pied. Ah, quelle belle rentrée de Gallion. Et 7-7, nous attendons avec impatience la transformation. On va voir le replay là tout de suite. Et ce n'est que justice, regardez, 7-7. Regardez. Introduction de Donaldson. Oui, parce que, écoutez, je vous regarde la transformation, vous regardez le replay. Vous regardez le replay. Bien, Roger. Et voici dans cette introduction de Donaldson. Il en a Taylor qui est contré. Taylor est contré par Jérôme Gallion qui prend la balle et marque. Indiscutable essai de Jérôme Gallion. Aguirre va essayer de prendre l'avantage en transformant cet essai. Transformation importante, 7-7. Le poteau. Vraiment, alors. Très beau coup de pied de Jean-Michel Aguirre. Oh, quel et le poteau. Sur la tête, le poteau. Vraiment, nous ne sommes pas aidés. Manque de chance, total. Il y a Philippe, notre assistant qui notre interprète. Il me donne à voir. Il sent que je vais chanceler. La remise en jeu sera pour Murray Taylor. 7-7. Philippe. 3 minutes avant la mi-temps. En avant, des Blues. Mais il laisse l'avantage à l'arbitre. Bien arbitré. Donaldson. Et attention, la réplique. Oh, la réplique est terrible. J'ai toujours peur de leur réplique. Brian Wilson qui tente droit. Non. Dans les bras d'Averroes.